Émilie, selon toi, pour les 24 heures de la nature, quelle serait la meilleure recette d'organisation ? Alors, une recette, en tout cas, ça peut être de bien anticiper la préparation. Parce que anticiper, c'est laisser le temps à la commune et à tous les partenaires de bien s'approprier le concept et du coup de faire émerger plein d'idées intéressantes. Et puis, le deuxième point, c'est le deuxième élément de recette, ça serait de la souplesse. Parce que justement, il faut réussir à laisser de la place à tout le monde et du coup, ça nécessite pas mal de souplesse. Voilà pour les deux ingrédients principaux à mon avis. Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas louper ? Alors pour moi, ce qu'il ne faut pas louper, c'est la première rencontre. Parce que c'est celle qui donne le ton, qui va donner le ton de ces 24 heures. C'est celle qui donne le ton de ce qu'on a envie de construire ensemble. Et voilà, du coup, elle est très importante. C'est celle qui va permettre aussi de relever un peu les potentiels de la commune, etc., etc.